Chiara? Chiara? Oui. Viens, ma fille. Ça va? Papa, ça va. Et comment tu faisais quoi? J'ai étudié un peu. Tu vois? Je suis tellement fier quand j'entends ça. C'est-à-dire, cette phrase, tu ne sais pas, c'est comme un baume pour les nerfs. Quand tu me dis que tu étudies un peu, ça me fait tellement plaisir d'entendre cela. Je suis très fier de toi, tu comprends? Et c'est comme ça que tu dois agir tout le temps. Parce que si tu étudies comme ça, tu verras à la fin que ta réussite, sincèrement, sera assurée. Tu as compris? Voilà, donc c'est comme ça. Bon, dans tous les cas, je t'appelais là, assieds-toi. C'est toi, ici. Tu sais que tu es ma fille, non? Tu sais que je donnerai tout dans ma vie, je donnerai tout pour te rendre heureuse, pour faire en sorte que tu sois la plus heureuse des filles, n'est-ce pas? Tu le sais? C'est pas ce que tu dis souvent. Et toi, tu doutes? Alors, comment tu me dis que c'est ce que je dis souvent, comme si je dis souvent et je n'agis pas? Je suis en train de te dire que je ferai tout dans ma vie pour te rendre, donc te donner la vie que tu mérites. Hein? Et la vie que tu mérites, c'est une vie dans le bonheur. Et pour donc vivre cette vie-là, ce que tu dois faire, c'est de continuer à étudier tous les jours, lis tes cours. Tu comprends? Va à l'école. Arrête de pavaner avec des personnes qui ne t'apportent rien dans la vie, qui ne te servent à rien. Tu comprends? Et là, tu verras que ta réussite sera effectivement assurée. Donc, pour s'y faire, tu sais, ton père, lui, pense toujours à toi. Quand je suis dehors, là, je fais tout pour me dire, tiens, voilà, est-ce que si je prends telle chose, si j'achète tel petit truc pour ma fille, ça ne pourra pas faire en sorte qu'elle ait le sourire. Tu comprends un peu? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pensé à une chose très importante dans ta vie. Je pense que j'ai souvent fait une erreur et j'ai pris conscience au vu de certains conseils et moi-même aussi, je me dis, si j'avais pris conscience de cela, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées depuis. Donc pour s'y faire, je t'ai gardé un magnifique cadeau, tu comprends? Hey. Tu sais que... Oui? Papa, un cadeau! Ben oui! Tu sais, la dernière fois, si je t'avais offert ce que je vais t'offrir tout à l'heure là, c'est-à-dire le téléphone. Papa, le téléphone. Tu vois, beaucoup de choses ne te seraient pas arrivées. Donc, je t'ai gardé un magnifique téléphone. Hein? Donc, c'est la dernière sortie. Comme on dit habituellement, téléphone dernier cri. Parce que quand je l'achetais, les gens m'ont tellement vanté l'importance de ce téléphone-là que voilà, j'ai été obligé de le prendre. Tu comprends bien? Merci beaucoup, papa. Voilà, merci. Voilà, tu mérites ça. Donc, dans tous les cas, je vais te donner ce téléphone. Mais je souhaiterais par-dessus tout que tu saches que ce téléphone-là, je te l'ai acheté pour que tu restes joignable. Pour que quand je t'appelle, je puisse t'avoir. Alors, pour que tout se passe bien, tu vas avoir ce téléphone-là. Il n'y aura que mon numéro de téléphone dedans et celui de ton professeur Wafo. Parce que ce sont les deux personnes importantes dans ta vie actuellement. Lui, il est important dans l'enseignement. Moi, je suis très important dans ta vie. Tu comprends? Oh, il y a pas ton papa. Il n'y a même pas de problème. Je suis d'accord. Voilà, c'est super. Ça fait donc que tu iras souvent à l'école avec. J'ai rencontré ton surveillant général. Je lui avais déjà fait part de cela. Et il m'avait dit oui, qu'il n'y a pas de problème. Donc tu iras avec ce téléphone là-bas. Dès que tu arrives à l'école, tu vas, tu le déposes entre ses mains. De telle sorte que s'il y a un cas flagrant ici à la maison ou bien urgent, je puisse appeler. Dans tous les cas, chaque fois que j'aurai besoin de toi, je pourrai l'appeler et il va te remettre le téléphone pour que tu puisses répondre. Il t'appelle à la surveillance, tu réponds. D'accord, merci beaucoup papa. Donc par la même occasion, tu sais, le téléphone en même temps, c'est un bien, c'est aussi un mal. Je ne voudrais donc pas que derrière ce téléphone-là, tu t'y conduises. Ça voudrait dire quoi? Que tu te retrouves peut-être en train d'avoir les numéros de téléphone des garçons dans ce téléphone. Tu me comprends? Il doit te servir seulement pour faire des recherches par rapport à ton école.
tu vas te connecter à Internet, tu auras le monde à portée des bras, tu vois, c'est comme ça. Donc, c'est pour cela que je t'ai acheté. Donc, tu le prends, tiens. Kiki, papa, c'est quoi ça? C'est le téléphone, un Samsung B310. Ouais, papa, non, papa, toi aussi, tu exagères souvent. C'est comment tu peux faire me sauter comme ça pour... Ah. Attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Hein? Tu viens d'être contente là que je t'offre un cadeau, je te tends ton téléphone et maintenant tu commences à te comporter, je ne sais pas, comme une vulgaire chienne. Papa, c'est comment le téléphone s'il prend la glace, ça prend la pochette. Comme tu vas me donner le téléphone des filles de mon âge. Regarde, 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 papa. Viens voir. Peut-être tu ne connais pas. Viens voir. Le téléphone c'est à Internet. Regarde. Regarde, tu vois la caméra. Papa, ça la caméra. Non. Regarde. Option multimédia. Tu sais ce que c'est? Papa, multimédia. Attends, maintenant, je vais me faire qu'il y a des mouches avec ça des téléphones. Regarde, regarde, voici, page d'accueil. Tu entres l'URL. Tu vois, voici ça. Voici, je te dis, le téléphone-ci est bien. Avec ça, je te dis, tu te connectes. Mais tu vois tout ce que. Donc, tout ce qu'on fait, même si c'est aux États-Unis. Hein, aux Antilles, partout. Tu vas voir le monde, tu auras le monde à portée des bras. Tu pourras faire tes recherches là. Ça te permettra de mieux comprendre tes cours. Pourquoi tu fais ça? Je t'offre papa, quelque chose. Papa, tu es moi, je vois. Je vois quelque chose. On fait un selfie. Ah, papa, moi. Viens, fais d'abord le selfie. Viens. Je ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est qu'il y a le téléphone, ça. Tout est de mon âge, on a les gros téléphones. Tu peux prendre un Jorongo, un allô comme ça. Tu me dis que c'est un téléphone. Je vais te faire réfléchir avec ça. Mais là, si tu te connais, tu vas voir quoi là-bas. Moi, je ne peux pas. C'est comment même depuis la mort, je suis en train d'accepter les conditions comme si c'était un vrai téléphone. Regarde ton téléphone, tu regardes ce que tu m'as dit. Tais-toi, fais-moi ça. Tu comprends? Donc, moi, ton père, je me lève. Je dépense de mon argent pour pouvoir te rendre heureuse. C'est comme ça que tu réagis. Donc, j'ai mal fait te donner le téléphone. Hein? Papa, ça dépend à bord du téléphone. T'as même les boutons. Je fais mal de t'acheter un téléphone. Tu m'appelles quoi, bouton? C'est quoi? C'est la forme ou le fond? Qu'est-ce que tu veux? Les deux, papa. Mais je te dis donc que c'est un téléphone dernier cri. Lis bien là. Dernier Samsung B310. Regarde. J'ai pris ça à combien? 25 000. Voilà ça. Papa, hein? Si tu te demandes de me donner les 25 000, peut-être chez mon téléphone, tu n'as même pas me donner. Maintenant, tu peux gaspiller. Regarde, on t'a même dupé. Moi, là, je peux pas prendre tes. Attends, pourquoi là? Tu me prends toujours pour quelqu'un qui peut être dupé facilement? Moi, quand tu me vois là, je suis un idiot. Je suis un con. Hein? Attends, depuis quand je discute même avec toi, je t'ai acheté ce cadeau. Tiens-le. Tiens ce téléphone. Papa, moi, je ne veux pas prendre ce. Tiens-moi ce téléphone. Tiens. En tout cas, je prends même. Il n'est pas facile à utiliser. Hein? Donc, tu vas entrer, je vais te montrer. On aura un jour particulier. Hein? Où je vais me mettre à te montrer tout ce qu'il y a dedans. Voilà, comment le manipuler et tout. Et en passant aussi, voilà, ça c'était pour toi. Maintenant, tu vois ça. Tu lis quoi là? Le coût du droit pénal général. Reprends, c'est quoi? Le coût du droit pénal général. Voilà, le coût du droit pénal général. Les gens s'attardent déjà 3 mois. Tu as vu l'autre jour là, comment l'autre est arrivé ici? Celui qui avait sa béquille là. Hein? Il est venu ici. C'est vrai que quand même dernièrement, il m'a aidé à te chercher un peu partout. Parce que voilà, quand tu t'es égaré là, il m'a quand même aidé. Mais je me suis dit, il faut que je commence à lire des cours de droit pour avoir les notions, pour que demain là, quelqu'un ne puisse plus venir vers moi et me duper. Et aussi, pour savoir comment je dois me comporter si quelqu'un vient à s'attaquer à toi. Donc, ces cours-ci, je vais souvent les lire. Mais je voudrais aussi que toi-même, quand tu as un peu de temps, tu jettes un coup d'œil. Parce que tu dois savoir qu'est-ce que c'est que l'infraction, qu'est-ce que c'est que le droit. Donc, jusqu'où se limite ta liberté vis-à-vis des autres. Tu comprends ça? Donc, tu vas prendre ce téléphone, tu vas te connecter sur Internet. Je ferai tout pour mettre le Wi-Fi ici à la maison. Tu vas te connecter. Et ce coup, si tu prends, tu t'en vas le garder. Tu le gardes jalousement. Quand je te le demande, tu me l'apportes pour que je puisse lire. Et toi aussi, à ton temps aussi, tu le liras. Tiens ça aussi. Et si tu te comportes bien, comme ça, c'est le B310. Dès que tu réussis à ton baccalauréat, là, je t'achète maintenant le Samsung B311. Tu as compris? Hein? Tu attaches la bouche avec qui? Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas quoi? Regarde, tu ne peux pas te filmer avec le téléphone. Je ne discute pas avec toi. Retourne à la maison. Va à la maison, va étudier. C'est qui ça? Si tu me donnes même mon argent. Va là-bas. Va là-bas. J'ai le téléphone. Tu avais d'abord ça.
Qui ça même? Donc tu ne peux même pas me dire merci. Merci du chien, c'est le caillou. Quand je viens, je t'offre quelque chose au lieu d'être contente. Non. Tu es là. Tu te mets à railler. Bref, Chiara. Chiara. Oui, cherche une bouteille là-bas. Tu me prends une bière en route. Carême est fini. Tu peux maintenant boire.